Regardez où on est. On est Tibit, viaduc de Millau. Donc on vient d'arriver en Aveyron pour le salon des blogueurs de voyage. C'est une grande première pour nous. On est là avec 250 personnes qui ont comme nous un blog. On va rencontrer tout ce beau monde et aussi des acteurs du tourisme français et étranger. Mmh. Et on espère qu'on va nouer d'autres partenariats et d'autres projets à venir. On vous tiendra au courant. Ce soir, on part pour un blog trip au pays de Ségala. On va rencontrer des hommes et des femmes qui font vivre la région par leur métier, par leur passion. Donc ouais, on va essayer de vous raconter ça. Bye bye. Voilà le village de Prévinquière, de jour cette fois. Hier, on l'a visité de nuit. On rentre dans la plus vieille maison du village, qui date du XIIe siècle. Elle appartient à Irène, qui a tout retapé. Absolument fantastique, regardez le salon. Donc là, c'était les insectes du Moyen-Âge, et puis là, il y avait une échelle et on montait au grenier. On coupait le gibier et on mettait les morceaux de gibier dans les tiroirs. Après, on appuie avec ses doigts là et ça sort. En fait, je l'habite pas. Là, j'ai un détresse ce matin. Voilà, bon, je te fais tranquille. Hein. Ça va, Massaï? J'ai trait une chèvre. On y va! On va avoir les impressions du pilote. C'est génial. Beaucoup d'intensité. La plus belle course jusqu'à présent. Ayman, vos impressions? Championne du monde. Ça fait mal. Mais là, ça fait plus que mort.